Ethan Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Hey, salut à tous, c'est Axel. On se retrouve dans un nouveau jeu. Pour une, a priori, nouvelle série. Ce sera peut-être un jeu qui sera utilisé pour du streaming également, je ne suis pas sûr pour l'instant. Alors, en deux mots en introduction, le jeu, c'est un jeu qui s'appelle The Vanishing of Ethan Carter. Ethan Carter, c'est un... Ethan, on va dire, Carter, c'est un gamin qui a envoyé un courrier à moi, le protagoniste, le héros, qui suit apparemment une sorte de détective. Et ce jeu est un jeu de... Vous attendez pas à ce qu'il y ait de l'action de partout. C'est un jeu basé sur une histoire. Il y a des puzzles, il y a des énigmes à résolver, on va dire. À résoudre. Le tout dans un univers assez magnifique. Et vous l'avez vu dans l'introduction, en fait, c'est... dans ce jeu, en fait, on vous prend pas la main. C'est-à-dire qu'il faut se démerder. Pour comprendre comment résoudre, où est-ce qu'il faut aller, etc. Et donc, bah voilà, je sais pas exactement vers où ça va nous mener cette nouvelle série. Il y a une part un peu d'horreur, enfin, pas d'horreur, il y a un côté fantastique aussi. Je crois que ça fait un peu peur. Intuition. Ok, et juste autre chose, je voulais aussi remercier vraiment un abonné qui s'appelle Monsieur Drakes, grâce à qui je peux en fait jouer à ce jeu. C'est lui qui me l'a en fait prêté via un système intégré dans Steam, qui est plutôt sympa. Et puis si effectivement il me plaît bien, je pense que je l'achèterai pour pouvoir vous faire cette série. C'est un jeu qui apparemment a environ 5 heures de jeu, donc voilà, allez, c'est parti. Je découvre. Je reste appuyé. Et... piège. Ok. Si je le touche... Ok. Je peux passer à côté quand même. Donc si je maintiens, j'ai ça qui s'affiche en bas. Si je reste appuyé, voilà, ça fait que ça. Je peux zoomer, dézoomer... Je sais pas encore ce que ça signifie, mais on va le découvrir. Intuition. Je vais avoir vachement peur dans le jeu, en fait. Intuition, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je découvre. Je découvre plein de choses. Donc c'est un piège. En fait, j'ai l'impression qu'il identifie ce qui se passe autour de lui. Peut-être pas descendre dans le trou tout de suite. Une ambiance assez sympa. Ok. Je pense que voilà, premier épisode, ça va être de la découverte. On va explorer un petit peu. De toute façon, c'est le but de jeu. Je pense que si je vais tout droit... Voilà, je peux pas. Je suis bloqué par un mur invisible. Donc ça, c'est clair. Je peux pas aller par là. Est-ce qu'on peut aller par là? Ouais. Je peux pas sauter. Je peux juste m'accroupir de cette façon-là et zoomer avec le clic droit. Ok, bon. Ça sent encore le vieux piège, là. Je sais pas pourquoi je me suis dirigé vers le côté de la route directement. J'ai décidé que c'était forcément mieux, mais pas forcément. Sympathique branche. Ok, ouais, du coup j'ai l'impression qu'on va revenir sur le rail. Oh, de toute façon il fallait faire le tour apparemment. Regardez.
On pouvait quand même passer. Apparemment, il y a eu un éboulement. Alors, l'endroit s'appelle, j'ai cru comprendre, Red Creek Valley. Il y a un petit chemin, on va le suivre. J'aimerais bien aller voir là-bas aussi, attendez. Ah, ces trucs-là, ça va me faire peur. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ça, en fait. Ah, plus on en scanne, plus on découvre des choses. Je sais pas. En tout cas, ça me surprend, mais grave. Chaque fois, je sursaute. Comme une fillette. Ah. Non, je croyais que c'était... Là, il... Voilà, là, il y en a eu un, je me suis pas fait avoir. Non, ok. Là, pareil, je refais ça. Regardez, on voit de plus en plus. Il se passe, voilà, on voit plus en plus ce qui se passe derrière, je sais pas trop quoi. J'ai l'impression qu'il y a des mondes parallèles où je sais pas, où on voit dans le passé, je sais plus. Le but c'est aussi de d'y aller un peu freestyle pour découvrir au fil du jeu ce qui se passe. Allez, on va aller voir par là. Hello. Waouh. Au fond, ça fait un peu peinture, un peu pastel, vous voyez. Mais c'est animé, hein. J'aime beaucoup le style. Très chouette. Ok, je crois qu'on va passer par là. Le pont fermé, ne pas rentrer. Ouais, bah écoute, on va faire ce qu'on peut, hein. Red Creek Valley. Red Creek Valley, Seems like a voilà. quiet, ordinary place. Donc j'ai mis les sous-titres en français, hein. I've learned two things in my life. No place is truly quiet. And nowhere is really ordinary. C'est censé être un endroit ordinaire et quiet et calme. Mais ça l'est pas apparemment d'après ce qu'a vu Ethan. Ok, ce sera mon dernier, ma dernière enquête en tant que détective. Et faut pas qu'il s'inquiète, je suis assez confiant apparemment pour retrouver le gamin. Vanishing, ça veut dire la disparition de... Ethan Carter. Donc là-bas, il y a l'air d'avoir un pont ou un barrage. Ok, on va avancer un peu plus vite. Et je pense qu'après, je vais ramasser une AK par terre. Non, c'est pas ça? Ah non, non, pardon. Wow, wow. Ok. Stop it! You stop that right now, my son. Voilà, petit train. J'aime bien les petits trains. Ah, il y a une musique. Oh oh! Blood. Animal, humain. Accident, meurtre. Moi je dis humain, meurtre. Manivelle. Écorcheur récente vient de servir. Manivelle, manivelle, manivelle. C'est drôle ça. Manivelle. Ok, manivelle. Faut trouver une manivelle. Entrée. Ah. Cool, je peux faire des choses. Alors, éteindre, allumer, avant, arrière. Ok, on fait. Vroom. 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 Pas vroom. Ok. Ok. Pour l'instant, j'ai l'impression que je peux rien faire avec ça. Quitter. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... C'est un peu du point and click, mais dans un univers vachement travaillé. Manivelle, manivelle. Ok. Donc là, il y a une histoire de manivelle, une sorte de locomotive. On peut rentrer dedans, on peut éventuellement faire des choses avec les boutons à l'intérieur, mais... Pour l'instant, je pense que... Il nous manque justement une manivelle pour peut-être faire quelque chose, je pense. Parce que ça a l'air d'être un... Une vieille locomotive qui s'active peut-être en faisant tourner quelque chose, genre une manivelle. Bon, on fait quoi? Droite, gauche? Typiquement, c'est pour ça aussi que en stream, ce sera assez marrant. Je peux vous dire, ok, je fais quoi? Je vais à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce qui vous plairait? Donc, je verrai. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça peut vous brancher. Après, le truc, c'est que c'est un jeu qui est magnifique. Et en stream, moi, j'ai une qualité actuellement qui est pas assez bonne. Et je trouve que ce serait un peu gâcher le jeu que. Bon, là, à gauche, il n'y avait rien apparemment. Hello.
c'est juste des branches. Juste des branches. Ok. Oh, petit lag, ça a chargé. Une corde. Ah, examinons la corde. Lien coupé, il y a quelqu'un qui était attaché. Ça a été dénoué. Oh oh, du sang. Ah ah, ça c'est intéressant, non? Oh oh. On va suivre la trace de sang. Reste du cadavre. Ah ouais, mince. Trace de sang. Victime. Traîné? A-t-il rampé? Donc une corde. Il s'est dénoué et il s'est fait finalement couper. Ou c'est quelqu'un d'autre. Ou c'est... Je ne sais pas. On voit pas mes pieds. Ça, c'est perturbant. Un panneau. C'était en construction apparemment. Oh oh. Le reste du corps. Du sang des jambes. Du sang de quoi? Fracture du crâne. Hémorragie, traumatisme crânien. Pas encore. Pas encore quoi? Scène du crime, dérangé par quelqu'un, rongé par le temps. J'ai mal lu. Donc en gros, il s'est fait découper, il a rampé jusqu'à là. Et peut-être que la personne qui l'a tué a pas eu le temps de finir le boulot. C'est ça le truc, il a été dérangé peut-être. C'est comme ça, j'appuie. Et il a des indices en fait, c'est ça? Sauf qu'il les affiche qu'une fois, j'ai l'impression. Ok monsieur. On va passer par là. Jouer à ce genre de jeu là, vous voyez, ce genre d'endroit et tout, ça me fait penser au fait que quand j'ai acheté Skyrim il y a un certain temps, quand il est sorti, j'aurais bien aimé avoir la chaîne YouTube pour pouvoir faire des let's play, des trucs comme ça, parce que j'ai vraiment apprécié ce jeu. J'ai pas beaucoup joué parce que c'est un jeu énorme et plein de bugs, en tout cas sur PC. Enfin, j'ai trouvé. Oh oh. Et moi, pendant ce temps là, je tournais la manivelle. C'est la manivelle. Merci pour cette manivelle, jeune homme. Donc il a été tabassé à coups de manivelle qui a été pris sur le train, le petit train. Ok. On peut aller dans l'eau ou pas, je sais pas. Yeah. C'est quand même pas moche. Moi j'aime beaucoup. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au train. Et on va voir ce qu'on peut faire avec le train. C'est par là. Ça me rassure un peu de jouer à un jeu comme ça où je sais que normalement ça devrait pas être aussi flippant que Outlast. Je viens juste de ressortir de la session du live sur Outlast où on a fini le DLC. Et jeune mec là, je sais pas, ça a l'air plus peace. Ok, allez, on va mettre la manivelle. Pouing. Ok. Allez, clic, 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 clic. Ah, baby, let's go. Allez, let's ride. Il est un peu lent quand il monte. Feignasse. Bon, on va aller en arrière, hein, je crois. On va péter le truc. C'est parti. Donc, en fait, je peux appuyer là, voilà. Et je peux éteindre. Ok, très bien, c'est parti. Je vais repasser sur le cadavre. Ça, c'est un peu crado, non? Ouais. Maintenant, là. Crac. Et là, je vais me retrouver bloqué, non? Ouais, je suis bloqué. Je vais essayer d'aller en avant pour voir. Sinon, c'est quoi l'intérêt de prendre ce truc? Ce que je constate, c'est qu'il est très lent. Et voilà. Je sais pas si je dois constater quoi que ce soit. Je vais aller juste un peu tout droit pour voir, mais à mon avis, il va rien se passer. C'est plus lent qu'y aller à pied. Il va se bloquer normalement sur le pont.
Alors. Ouais, il va se bloquer là après, ouais. Même c'est sûr. Boink. Et voilà. Super. Au top. Bon, moi je descends, j'en ai marre. Donc ce train, je sais pas à quoi il a servi pour l'instant, mais peut-être qu'on en aura une utilité un peu plus tard. J'ai vraiment le sentiment d'aller plus vite à pied, vous voyez. C'est pour ça que je me permets de descendre. Ok. Donc un train. Un mec qui était sur le quai. Sur la... Enfin, un mec qui s'est fait accrocher, peut-être pour être tué, mais qui a réussi à se détacher. Qui en... Mais qui s'est quand même fait couper en morceaux à moitié, qui a rampé, qui s'est fait tabasser avec une manivelle. Manivelle qui devait être utilisée pour activer le train. Ok. Eh bien, on va aller par là. Est-ce que je peux aller là? Non. Là, dans les petits trous, là? Non. Ok. Vous entendez? Des bestioles. J'aime pas les bestioles. Là-bas, je vois des choses. Je vais d'abord aller voir là-haut. Là, il n'y a rien. C'est le bruit d'une branche. Bruit chelou. On va continuer un peu par là. Parlant de branche. Vieille branche. Il y a plein partout. Ok, il n'y a rien par ici. Normalement, on devrait avoir une belle vue là-bas. Oh, avec le soleil qui se couche et tout. Couchant ou qui se lève? Le vent. Je sais pas. C'est bien détaillé tout ça, regardez les textures et tout, c'est pas mal. Ok, donc je crois qu'il n'y a rien à faire ici. Vous voyez, là je bloque sur un mur invisible. À mon avis, il faut pas passer trop de temps à explorer dans tous les sens. Enfin, je sais pas, peut-être c'est le but, hein, mais ils ont pas l'air de planquer des indices partout. Peut-être que si, hein, mais je vais essayer d'aller vraiment sur le chemin le plus évident. Hello. On va aller là où il y a des trucs. Que j'ai repéré au fond là. Allez, c'est parti. Même si au fond là. Bon, bref. Oh oh. Ça, c'est une énigme, je pense. On va tester pour voir ce qui se passe. Non. Non. Ah. Ok, il y a un ordre. Un astronaute. Un astronaute. T'es où, mec? Je cours après un astronaute. C'est chelou. Il est parti là-bas, je pense. Non, à droite. Je t'ai vu, mec. Je t'ai vu. Je t'attrape, je t'attrape. Là. Mais je viens de là-bas. Sauf qu'il n'y avait pas d'astronaute avant. Ici. Encore. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je vais lui courir après pendant 3 heures. Peut-être qu'il faut pas lui courir après, hein. Peut-être qu'il doit m'emmener quelque part, c'est ce que je me dis vraiment de base. Allez, on va le suivre un peu pour voir.
Là-bas, là-bas. Ok, ouais, si je fais rien, en fait, il m'attend, tranquillement. What? Véhicule spatio-temporel. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à un truc complètement différent. On va se mettre en dessous, hein. Hello. Je viens pour me faire pénétrer. Extraterrestrial Containment Capsule. Capsule de... Oh, oh. Je vole. Je vole un peu moins là peut-être. Ok, il y a une histoire liée à l'espace. C'est cool. C'est pas très clair dans ma tête, mais c'est cool. On arrive. Oh. Eh salut, c'est mon pote lui, peut-être, je sais pas. Ah, il y en a plein d'autres. Alors, dans le jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire généralement les textes, parce que c'est important, je pense. C'est vraiment un jeu pas d'action, c'est un jeu d'histoire. Donc, crocs. La bête avait des crocs, mais elle était lourde et lente. Alors, quand elle vit la lumière dans les cieux, elle attendit, pensant que la lumière finirait par s'estomper, comme les autres avant elle. Lorsqu'elle vit qu'il en serait autrement, la bête se leva sur ses pattes et s'approcha de l'endroit où le feu brûlait encore. J'ai l'impression de lire une histoire pour un enfant. Alors que la lumière orange s'éteignait, une autre prenait sa place. Celle-ci était bleue. Un bleu pur et brillant que la créature n'avait vu qu'aux abords des étoiles, la bête montra les crocs et la lumière disparut. Bon, il y a des histoires de lumière, de crocs et de bêtes et de feu. Un instant plus tard, la lumière réapparut entre deux armes éloignées. La bête voulait rentrer chez elle, mais elle ne pouvait ignorer la lumière. Elle la poursuivit alors plus loin dans la forêt. Donc il y a une histoire de forêt, on est quand même. La lumière finit par s'éteindre dans une clairière, la bête entra dans le cercle sans crainte. Est-ce que c'est pas... comme ce que je viens de faire finalement, j'ai mis un cercle de lumière. Les arbres se tournèrent vers la bête, pointant vers lui, telles des aiguilles, mais les cimes des arbres s'abaissèrent et s'enfoncèrent dans le sol. Il se passe des trucs chelous dans cette forêt. Les troncs et les racines s'élevèrent pour former un mur autour de la bête. Alors que le sol disparaissait, la bête s'aperçut qu'elle ne pourrait jamais plus se servir de ses crocs. C'est un peu chelou cette affaire. Oh, Ethan. Voilà. Il disait ça, Ethan. J'ai lu celle des crocs. J'ai adoré la bête. Au moins, elle finit par quitter cette saloperie d'endroit. Ça sauvegarde. Donc. En gros, ça c'est une histoire qu'apparemment Ethan lisait, son frère qui est arrivé qui l'a un peu saoulé. Et puis voilà, alors qu'est-ce qu'on a au sol là? Donc ça c'est l'histoire que je viens de lire je pense. Fangs, ouais c'est ça. Et là, alors c'est quoi? Conte abstru, le meilleur de la science-fiction américaine, janvier 1964. Avec les jaunes collines de Mars de Douglas Spaulding. En supplément, blabla, on s'en tape. La mutilation de Travis Gaylord. C'est son frère qui a écrit Gaylord dessus. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas un, ça, pour moi, Lord, c'est un... Par exemple, un landlord, ça veut dire un propriétaire. Alors, un Gaylord, c'est peut-être un propriétaire homosexuel ou un... Un seigneur homosexuel. Non, non, je pense pas que c'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être le prénom de quelqu'un. C'est peut-être un nom. J'aime beaucoup les textures. C'est pas mal, hein. Ok, je m'attarde pas sur ça, on a dit. Enfin, on n'a pas dit, mais moi je le dis. Ah, pas mal les lumières. Ok. Alors, un quai de gare. Un quai de gare intéressant, puisqu'effectivement, il y a un train qui pouvait passer. Arrêté à 7h04. Très exactement.
Très bien. Moi, je dirais qu'il faut suivre le rail. Et il y a un chemin juste à côté. À mon avis, ça va être par là. C'est parti. Ah ah, la deuxième partie du train est une baraque. Enfin, c'est... Ouf. Petit lag aussi, là. Alors, c'est pas... Aucun train n'était passé par ici depuis longtemps. Ça faisait partie d'un tout. De grandes parties de ce pays ont été abandonnées, condamnées à devenir les pires versions d'elles-mêmes et à le rester. Et sous toute cette pourriture pousse ce qu'il y a de plus sombre. Oh, ça m'a l'air pas mal ici, hein. Je sais pas pourquoi il dit ça. Donc ça c'est un truc plutôt un truc d'électricité ou je sais pas trop quoi. Je sais pas si on peut rentrer dedans. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire avec. On va aller voir. Ok. On va aller voir ça là. Ouh, regardez. Ah, c'est le barrage. Ouh, je sens que là-bas il va y avoir des trucs sympas. Ok, on va y aller tout de suite du coup. Pas perdre de temps. Je longe là et on va voir s'il y a un truc plus devant là, non? Alors, c'est pas du sens. Hein. Ok, il se passe rien avec ce truc, donc... Bah, écoutez, on va traverser le pont. Oula, pareil, encore ça charge. En fait, ça, c'est quand ça charge et que je cours. On va passer sur le pont, là. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pourrais aller tout droit. Et je trouve ça plus fun d'aller par là. Donc, on va aller par là. Vers ce petit bled. Oh, regardez en bas. Donc ouais, c'est un barrage, il y a une maison en bas. Et là, je sais pas ce que c'est. J'aime bien la musique, elle est très chouette. Enfin, en tout cas, ça colle bien avec l'ambiance graphique, on va dire. Visuel. Je sais pas combien de temps je vais faire durer. Je pense que je vais rester sur du 30-35 minutes. Apparemment, il y a 5 heures de jeu. Donc bon. Ça ira assez vite comme série. Normalement, si j'avance bien, si je suis pas perdu. Et si je passe pas trop de temps à regarder les feuilles. Wow. Maison abandonnée. Ici. Derrière. On va aller... On commence par celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui dépasse? C'est un peu chelou, on dirait un cochon qui tend le bras par la fenêtre. Ou un tuyau plutôt. Bon, on va rentrer dans la baraque. Hein. C'est parti. De lecture ici. Ok, on va regarder ça. J'invoque le désossé, l'élu du néant, le destructeur de vaisseaux et celui que craignent les vents. Entends-moi. Au grand démon Focalor, ok. Je veux pactiser avec toi pour confondre mes ennemis et protéger mes possessions. J'utilise les portes de la confusion pour brouiller leur jugement, bloque le chemin par la duperie et la tromperie et permet seulement à ceux capables de discerner le véritable intérieur de passer. Aglon tétragramme, Vecheon stimulam. Ah, je vais pas lire tout ça, vous êtes des ouf. Ok, donc il y a quelqu'un qui a invoqué un démon pour... Holy fuck. Oh oh, le portail vers l'infini et au-delà. J'y vais, j'y vais. Ok, je viens de passer dans un autre... Alors, il y a un autre portail à droite. Il y en a un ici. Changer. Oh putain, ça sent le puzzle. Ok, regardez ça. Donc là, on a ça. C'est les mêmes à chaque fois. Donc on a cette pièce-là.
cette pièce-là, cette pièce-là. Donc quand on passe à travers, je peux revenir comme ça, ça en crée d'autres. Et on tourne un peu... Non, ça, c'est pas les mêmes. Et celui-ci, on tourne dans... Bon, on est... J'ai l'impression qu'on est dans les mêmes pièces, mais un peu en décalé. Jolie vue dehors. Ok. On va continuer par là, voir un peu ce qu'il y a. Il y a sûrement, en fait, il va falloir sûrement se déplacer dans différentes, entre guillemets, dimensions pour accéder à d'autres portails qui permettent d'aller exactement où je veux aller. Mais je, pour l'instant, je sais pas où je veux aller. Donc on va juste explorer un peu. Là, je passe ici. Si je veux... Ah, lui, je peux pas le changer, par contre. Lui non plus. Je vais aller par là pour voir. Wow, wow, wow. Ok, là, je retourne vers ici. C'est un peu étrange, tout ça. Ok. Donc là, ici, il n'y a rien à faire. Oh, je viens de repasser. Ok. Alors, est-ce qu'il faut relire ça? Ouais. Donc, quand on fait ça, ça réouvre le portail. Il n'y en a qu'un. Il y en a... Ouais, non. Je peux aussi monter ici. Alors que quand je le fais pas, j'ai pas l'impression de pouvoir y accéder. Il y a un autre portail en haut. Alors, en fait, c'est ça le truc quand ils disent c'est un jeu qui vous donne pas la main. C'est un peu... qui vous... Ouais, qui vous aide pas à essayer de comprendre où il faut aller. Je vais essayer de continuer par là en montant. Peut-être le but c'est d'aller tout en haut. Je ne sais pas. Faut trouver des trucs à mon avis. Et pour trouver des trucs, faut explorer des endroits qu'on connaît pas encore. Et donc, on va essayer de faire ça. Pour terminer ce premier épisode. Ok. Je prends le petit escalier là. Je lis les trucs de lumière là, j'aime bien. Donc là j'ai une pièce comme ça. Cette pièce là. Une autre partie du grenier avec un bureau au fond. Peut-être un truc sur le bureau. Il y a souvent des trucs sur les bureaux. On va aller voir s'il n'y a pas un truc sur le bureau. Et des bouquins. Rien d'autre que des bouquins. Et je peux pas y toucher. Très bien. Celui-là non plus. The Narrative of Arthur Golden. Oui, bon. C'est pas important, ça. Je pense que ça sert pas forcément à grand-chose de lire. L'île du docteur Moreau. Ça, c'est un bon bouquin. L'île au trésor. C'est un classique. Bref, on s'en fout. Que des classiques. Hop, je repasse par là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui est apparu? Non. On va redescendre. Alors. Donc là, j'accède à ça. Bon. Un autre petit escalier. Est-ce que j'ai envie d'aller là? Sinon, c'est quoi? Ça. En fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à comprendre, c'est quelle dimension. Parce que ça a pas l'air d'... À chaque fois, c'est pas la même pièce, donc c'est peut-être trois maisons différentes. Oula. Qui sont présentées de différentes façons. Et du coup. Ah là, je reviens vers. Voilà. Ok. C'est pas ce que je veux. Ah si, ok. Je pense que quand on tourne en boucle, au bout d'un moment, on se retrouve à revenir ici. Donc dans un premier temps, je pense que je vais ressortir. En sachant que ici, bah, y a des portails. un peu chelou. Et qu'il y a peut-être des choses à trouver que j'ai pas encore trouvé. Un ordre spécifique. Et du coup, je vais aller voir la maison à côté pour terminer cet épisode. Vas-y, passe par là, fais pas chier. Non, tu peux pas. Tu peux pas.
Ah, il peut pas, hein, il peut pas. On va aller voir ici quand même s'il n'y a pas un petit truc. J'ai l'impression que ces petits bâtiments-là, ils servent à rien. On va entrer par là. Y a quelqu'un? Photo. Le jour où la photo a été prise, l'oncle Chad était méchant, papa était triste, maman était en colère, Travis parlait fort, papy ne disait rien. Travis, c'est pas le frère d'Ethan. Alors, juste regardez ça. Donc, l'oncle Chad était méchant. On dirait celui qui est à gauche, non, le vieux là, non? Non, papy ne disait rien, ça doit être papy. Le frère, ça doit être celui qui est à gauche, tout à gauche. Maman, elle est au plus ou moins au milieu. Et après, il y a papa qui est triste, qui est à côté de maman, à mon avis. Et tout à droite, il y a l'oncle Chad. Et il manque quelqu'un. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 personnes. Donc, soit c'est pas Ethan, il n'y a pas le frère. Ah, c'est peut-être moi. C'est peut-être Ethan tout à gauche. Et au milieu, c'est peut-être Travis qui... Non, Travis qui parlait fort. En tout cas, il y a quelqu'un dont on parle pas, à part si c'est moi. Oh. Je suis bête. Regardez. Eh ouais. Donc, oncle Chad, c'est celui qui est de l'autre côté. Mom, c'est là. Dad. Il est à droite, c'est ça. Ah bah, oncle Chad, c'est celui qui est tout à droite. Excusez-moi. Gramp, il est tout à gauche. Travis, il était au milieu. Ok, donc c'est moi à droite, tout à gauche, a priori. Fort bien. Je sais pas si c'est important, mais... What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a... Rien, j'ai trouvé une pièce, je suis rentré dedans, c'est tout. Il s'est fait engueuler parce qu'il a trouvé une pièce, il a fait quelque chose qu'il aurait pas dû faire. J'ai l'impression que le petit Ethan, il a pas eu une enfance facile. Encore un bouquin. A priori, c'est leur maison ici. Oula. Tu le sens, hein. Il y a quelque chose qui vient de la maison de Vandergriff. Je le sens. Ethan a dérangé le dormeur, il doit être puni. Ça, c'est la mère, je pense. Et Chad, c'est le... C'est l'oncle, c'est ça? Oncle Chad? Donc, Ethan devait être puni parce qu'il a dérangé quelqu'un qui s'appelle le dormeur. Donc, a priori, il se passait des choses cheloues. Au moins, quelques membres de la famille étaient au courant. Et le petit l'a découvert. Et ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Papa, alors, était-ce ça grave? Il n'arrête pas de parler de cette chose, ce dormeur. Ed, je sais. Ce que je ne sais pas, c'est s'il existe vraiment ou non. J'ai l'impression que c'est le père d'Ethan qui parle avec le papy, peut-être, qui est probablement son père, je sais pas. Parce qu'il les appelle par Ed, et il dit pas papy. Donc il va y avoir à nouveau un truc là-haut, je pense. Non, pas ici. Personne parle ici. J'ai l'impression d'être déjà venu dans cette baraque. C'est exactement les mêmes maisons à chaque fois. Ethan. C'est pas ma faute. Je voulais pas que tout ça arrive. C'est les mêmes bouquins. C'est pareil, c'est exactement la même... Ah, mais c'est peut-être l'autre maison, elle avait des portails qui permettaient d'accéder à d'autres maisons. Je sais pas. Je ne sais pas. Encore. Peut-être que je ne saurai jamais. Bon, ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Donc, vous voyez, hein, c'est un jeu vraiment un peu posé, où il faut essayer de comprendre comment ça marche et...
et résoudre des énigmes. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Je joue pas souvent à ce genre de jeu, donc je vais essayer de faire ça bien. Mais en tout cas, l'ambiance est sympathique, visuellement, la musique est chouette. C'est simple à manipuler parce que c'est un jeu très très basique en termes de gameplay. Mais ça a l'air assez original quand même. Et j'espère que ça vous plaît, c'est un petit peu différent que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais j'aime bien aussi varier les plaisirs. Et puis dites-moi si vous le voyez bien pour peut-être du Twitch ou pas. Moi personnellement je vous donne mon avis, voilà, mais je pense que non dans la mesure où c'est un jeu d'énigmes. Typiquement là j'ai pas eu d'énigmes particulières, enfin a priori. Mais si j'étais tombé sur un truc et je galère pendant trop longtemps, je préférais faire une ellipse et qu'on se retrouve dans quelques minutes après, alors qu'en live c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, c'est surtout pour cette seconde raison, c'est que quand même ce jeu est beau et ce serait dommage de le gâcher en le streamant en mauvaise qualité vu que j'ai pas une super connexion. Mais en tout cas, si ça vous intéresse quand même de suivre mes lives, je vous invite à regarder sur Twitch. Axel Gaming Live, je mettrai le lien dans la description. Donc là, je suis devant une église et on va se quitter devant cette magnifique église. Allez, à plus!